Dieu a dit qu'il adressera sa parole à un peuple au langage barbare. Il ne s'attendait pas à sa parole. Maman, écoutez, je veux prier pour vous. Vous comprenez? Je veux prier avec vous. J'ai déjà causé avec vous un jour. Est-ce que j'ai déjà causé avec vous un jour? On s'est déjà rencontré quelque part? Jamais. On s'est jamais rencontré? Wow. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Regardez. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Et je veux prier pour vous parce qu'il y a des gens dans l'église ici, comme je parle, par l'Esprit de Jésus, qui ont été guéris. Amen. Et qui ont dit qu'ils restent. Vous, vous avez dit, je vais venir devant. Toute maladie dans votre corps est anéantie au nom de Jésus. Vous êtes guéris complètement. Amen. Quand je vous ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour votre famille. Parce que vous êtes une femme qui a beaucoup souffert. Votre famille, je l'ai vu rattachée à la chefferie. Hein? Votre famille est rattachée à la chefferie. Elle est rattachée à la chefferie. Oui, papa. Je vous ai vu, j'ai vu une de vos soeurs qu'on appelle Élise. Hein? J'ai autre soeur qu'on appelle Élise. Elle est où? Ma belle soeur. Elle est où? Elle est en mariage loin là-bas à Zoetele. Hein? Elle est en mariage à Zoetele. Regardez. Vous parlez de votre belle-sœur. Vous dites votre belle-sœur. Non, je ne parle pas de votre belle-sœur. Je parle d'une de vos sœurs. Une cousine à vous. Uh-huh. Avec qui vous avez grandi. Oui, oui. Qu'on appelle Élise. Oui. Je connais la Élise. Elle est où? Élise, elle est au village. D'accord, notre regardez. Village natal. Now look. Dans votre famille, family, il y a quelque chose qui s'est passé. There is something that happened. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille. There is something that happened in your family. Il y a quelque chose. Something. Vous avez eu un grand-père, you had a grandfather, un grand-parent qu'on appelait Zoa. Called Zoa. Hein? Oui. Zoa. Like Zoa. Oui. Zoa. Zoa. Uh-huh. Il est déjà mort. Oui, il est déjà mort. Hein? Papa. On l'appelait comment? How was it called? Soa. On l'appelait comment? How was it called? Soa. Zoa. Soa. Yes. Cet homme. That man. Cet homme était un homme puissant dans votre village. He was a powerful man in your village. Hein? C'était un homme puissant dans votre village. In your village. Et il voulait la chefferie. And he wanted to be the chieftain place. Il devrait prendre. Il voulait la chefferie. He wanted the chieftain. Et il discutait. La chefferie avait son grand frère. Hein? Avec un de ses grands frères. Qu'on appelait Mbankele. Mbankele. Hein? Mbankele. Qui est aussi un de vos grands-pères. One of your grandfather too. Oui. Mbankele. Oui, papa. Hein? Oui, papa, je le connais. Mbankele est aussi mort. Mbankele died already too. Hein? Oui, ils sont tous morts. Bankele est mort. Lorsque Zoa a lutté avec Mbankele, Mbankele a gagné les élections et il a été le chef de votre village. Et Zoa, en voulant être chef, a fait des choses qui n'étaient pas bonnes et qui ont commencé à attaquer tous les enfants de ses frères. Parce que vous aviez un oncle à vous qu'on appelle Nkomo. 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 Papa Nkomo. Oui, oui, papa. Il est où maintenant? Il est mort. Il est mort. On l'appelait comment? Nkomo. On l'appelait comment? Nkomo. Nkomo. Nkomo Thomas. Nkomo Thomas. Yes. Quelque chose s'est passé. Something happened. Comment? Comment? A été victime de la sorcellerie de Zoa. Of witchcraft of Zoa. Il est mort de manière brutale, and died in a sudden way, mystique, mystical way, mystérieuse, a serious way, sans être malade. Without being sick. Le sang est sorti de ses narines, ses oreilles. On l'a trouvé mort
dans sa chambre. Il était marié à une femme qu'on appelait Maman Hélène. Et Maman Hélène est aussi morte aujourd'hui. Hein? Oui, oui. En fait, ils sont tous morts. En fait, Papa Nkomo n'allait pas épouser Maman Hélène. C'est Maman Sandrine, la grande sœur de Maman Hélène, qui l'avait d'abord aimé. Et après, il a abandonné Maman Sandrine et il a pris sa petite sœur qu'on appelait Maman Hélène. Les deux sont mortes aujourd'hui. Zain Namoras Inagros Providen Rabbanat Yasmani Charnei. Maintenant regardez, à votre âge, vous avez traversé toute la vie. Vous n'avez pas su pourquoi votre vie n'a été que déception sur déception. Regardez, je parle des choses qui se sont passées avant que je ne sois né. Regardez, quand vous étiez jeune, il y a un jeune homme qui est venu pour vous marier, qu'on appelait Victor. Victor. Hein? Victor. Victor. C'est l'amour de votre jeunesse. Il est où maintenant? Where is he now? Il est mort, je le connais. On l'appelait comment? Victor. On l'appelait comment? Victor. 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 À l'époque, vous aimiez aussi beaucoup Victor parce que c'était quelqu'un de bien. C'était un bel homme, très gentil. Mais quelque chose s'est passé. Quand il est venu pour demander votre main, il est venu chez vos parents, il a demandé la main et vous avez programmé la dot. Il devrait vous doter et les problèmes sont venus. Et vous a dit que non, il ne peut plus vous épouser. Mais quelque chose s'est passé. Vous aviez une amie à vous qu'on appelait Pauline, qui était comme une sœur à vous. Hein? Elle aussi est morte maintenant. Pauline est allée chez les marabouts avec le nom de Victor. Parce qu'un jour, Victor est venu vous prendre. Vous avez pris Victor. Vous l'avez amené chez votre tante, qu'on appelait Sabé. Sabé, Ma Sabé. Ma Sabé, oui. Elle aussi morte. C'est ça, maman? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui, papa, c'est vrai. On l'appelait comment? Maman Sabé. On l'appelait Maman Sabina. Vous avez pris Victor, vous l'avez amené là-bas. Maman Sabé vous a dit, Maman Sabé told you, il est bien pour toi. Ma fille ne joue pas avec lui. Et vous êtes parti. Vous étiez content que vous avez trouvé votre mari. Mais après, on a pratiqué. Votre amie Pauline, elle a pris Victor. Elle est partie avec lui. Et ils se sont mariés. Et vous avez perdu votre mari. Ça, c'est tout le premier homme que Dieu vous avait envoyé. Une bénédiction. Quand Victor est parti, vous avez commencé à pleurer. Vous avez commencé à pleurer. 3 mois après, et 3 ans après, quelque chose s'est passé. Un homme est encore venu, qu'on appelait Laurent. Et quand Laurent est venu, lui aussi vous a dit qu'il vous aimait. Parce que vous êtes une très belle femme. Quand vous étiez jeune, c'est pas n'importe quel homme qui venait après vous. Et Laurent est venu aussi vous voir. Il est aussi allé dans votre famille. Laurent a même commencé à payer la dot. Mais il n'a pas fini la dot. Parce que dans votre famille, les gens ont commencé à se moquer de vous. Que vous présentez les hommes qui ne vous épousent pas. Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Laurent? Votre malheur est venu dans votre famille. Avec Laurent.
votre oncle Nkulu. J'avais un oncle qu'on appelle Nkulu. Un gros sorcier. A very big wizard. Hein? Mon oncle. Votre oncle. Nkulu. On l'appelle comment? How was he called? Nkulu. Nkulu. Nkulu qui? Je ne connaissais pas son vrai nom. On l'appelait seulement comme ça, Nkulu. Nkulu. Papa Nkulu. 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 Hein? Papa Nkulu. Papa Nkulu. Il était marié à une femme qu'on appelait Awa. Awa. Maman Awa. Maman Awa. Sa femme. His wife. Hey. Et j'ai faro, mais elle a mis mon monnaie pour dire. Victor est mort en vous pleurant. Il y a des gens que quand vous les ratez, vous ratez de les épouser. Toute votre vie, vous les pleurez. All your life long, you will cry about them. Vous les pleurez. You will cry about them. Maman, regardez. Maman, look. Dieu m'a dit de vous dire ceci. God asked me to tell you this. Hein? Je vous ai vu comme veuve. I saw you like a widow. Hein? Je vous ai vu comme une veuve. I saw you as a widow. Vous êtes veuve. You're a widow. Dieu m'a dit de. Hein? Dieu m'a dit de vous dire ceci. God said to tell you this. À votre âge, in your age, il ne peut plus vous donner un mari. He can't give you anymore. À votre âge, he can't no longer il ne peut plus vous donner les enfants. In your age, no. He can't give your children. Il m'a dit que la seule chose qu'il peut vous donner, he can give you, c'est de vous guérir Amen. Dans votre corps de toute Amen. Maladie. From Amen. Amen, papa. De vous donner la santé. And to give you health. Et de bénir le reste des années qui vous restent sur la terre. Amen. Amen. Regardez, je vous donne un secret. I give you a secret. Vous voyez la maman là? You see that vous la voyez? You see her. Regardez-la bien. Look at her very well. Les actes de justice. Act action of justice. Lazare a été ressuscité parce que sa sœur avait bâti un hôtel pour sa famille. Le vase d'albâtre contenant le parfum de nard. Je ne connais pas cette femme. Mais Jésus-Christ, mon sauveur, la connaît. Il me parle d'elle. Regardez la femme-ci. Il y a une femme derrière elle. Qui voit la femme-là? Qui voit la femme qui est derrière elle? Regardez-la. Look at her. Tout le monde, regarde la femme-ci. Everybody look at her. Il y a une femme derrière elle. There's a woman behind her. Qui voit cette femme? Who see the woman? Regardez-la. Look at her. Il y a une femme derrière elle. There's a woman behind. Qui la voit? Who can see? Qui voit cette femme? Who see the woman? Personne? Personne ne voit cette femme? Ok. Derrière elle, behind her, il y a une amie à elle. There's a friend of hers. Avec qui elle a grandi. She has been growing up with. Depuis son enfance. Since a childhood. Et cette amie à elle. And that friend of her. Maman l'a aidée. Mama helped her. Maman l'a aidée. Mama supported her. Elle n'est plus son amie là. She is no longer that friend. Mais elle est derrière elle. But she is behind. Réclamant devant Dieu. Claiming before God. Que maman soit bénie pour ce qu'elle lui a fait. For what Amen. She did. Vous aviez une amie à vous qu'on appelait Adèle quand vous étiez enfant. Child, j'avais grandi ensemble avec elle. With her. Ah? Adèle, vous étiez où ensemble? À l'école, on l'appelait comment? Adèle. Son père s'appelait Booba. The father was called Booba. Papa Booba. Papa Booba. Vous n'avez vu personne, n'est-ce pas? You saw nobody, right? Vous n'avez vu personne, c'est ça, n'est-ce pas? You saw nobody. Un jour, Adèle, one day, Adèle est venue chez vous. She came in your place. Parce que son père l'avait chassée. Because her de la maison. Chased her from the house. Parce qu'il y avait eu un problème, they had a problem avec un garçon. With a boyfriend. Et quand elle est venue chez vous, and she came in your place, vos parents n'étaient pas d'accord qu'elle dorme à la maison. To sleep in your house. Mais vous,
Vous avez fait entrer Adèle en cachette dans votre chambre et vous dormiez à la cuisine. Là où vous dormiez, c'était la cuisine. Il y avait un lit à la cuisine et on préparait dans la chambre où vous dormiez. Vous avez dormi là-bas avec Adèle. Le matin à 5 heures, vous l'avez fait sortir sans que vos parents ne soient au courant. C'est vrai? Oui, papa. C'est pour ça que Dieu m'a dit qu'il va vous bénir. Dis à ton voisin les actes de justice. Faisons du bien. Maman, est-ce que je peux prier pour vous? On finit. Can I pray with you and we'll finish? Oui, papa. Est-ce que je peux prier pour elle? Can I pray for her? Quand j'ai vu cette femme, lorsque j'ai parlé de la part du Seigneur, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont guéris. J'ai donné quelques noms, des repères prophétiques de certaines personnes. Les gens n'ont pas voulu venir immédiatement. Ça a marqué un temps. Dieu m'a dit, regarde cette femme, cette pauvre femme. Prends ce que je voulais donner aux autres et donne-lui. Dieu m'a dit, parle-lui. Son cœur a besoin de consolation. Maman, écoutez-moi bien. Vous savez, votre mari est mort. Mais il n'est pas mort d'une mort simple. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas mort simplement. Il y a la main d'une femme dedans. Il y avait une femme dedans. Il y a une femme. Il y a une femme qui était considérée comme votre coépouse. C'était même ma coépouse. C'était ma coépouse. D'accord. Cette maman était mariée. Elle a quitté son mari pour venir rester avec votre mari. Maman Doudou. Son mari s'appelait Papa Simon. Elle a abandonné son mari qu'on appelait Papa Simon pour venir rester avec votre mari. Votre mari est mort à cause de ça. Parce qu'il a pris la femme de quelqu'un. La sorcellerie. Witchcraft. Papa Simon n'a jamais pardonné ça. Jusqu'à ce que votre mari meure. Et Dieu vous a épargné parce que c'était quelque chose contre vous deux. Dieu m'a dit qu'il vous a épargné à cause de votre cœur. Et vous disiez toujours à votre mari, je suis venu dans ce mariage tranquille. Vous étiez la première femme. Et quand il voulait prendre Doudou, vous lui avez dit non, je ne veux pas. Il vous avait promis qu'il ne va pas prendre une autre femme. Mais il a pris cette femme. Et vous lui répétiez que mon cœur est droit. Ce que tu cherches dehors là, ça va retomber sur toi. Aucun malheur ne va me toucher. Rien ne va m'arriver. Et Dieu l'a préservé pour ça. Père, au nom de Jésus. Father, in Jesus' name. Venez. Come. Père, Father, que sa guérison soit parfaite. Let the healing be perfect. De sa tête à la plante de ses pieds. From the head to the soul que son feet. Corps soit lavé, purifié. Let the body au nom souverain de Jésus. Amen. Tout son corps est transformé. Amen. En celui d'une femme de 16 ans. Amen. Au nom souverain de Jésus. Maman, je bénis le reste de vos années sur la terre. Amen. Que Dieu vous apporte la joie et le bonheur. Amen. Que Dieu vous apporte la richesse dans toutes vos entreprises. Amen. Reposez-vous de vos œuvres. Amen. L'Éternel lui-même est votre mari. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen trois fois et c'est scellé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Que Dieu vous bénisse, maman. Merci.